tous, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Alors on va parler aujourd'hui des investissements immobiliers en France réalisés par des personnes physiques qui sont domiciliées à l'étranger. Alors, le régime d'imposition des non-résidents est le suivant. Les non-résidents ne sont imposables que sur leur seul revenu français. En ce cas, les bases d'imposition sont identiques à celles des résidents. Toutefois, les non-résidents ne peuvent pas prétendre à la déduction de charges du revenu global, ni à des réductions ou crédits d'impôt prévus par le Code général des impôts. Concernant les prélèvements sociaux, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne, autre que le régime social français, sont exonérées de CSG et de CRDS sur le revenu du patrimoine. Ces revenus demeurent néanmoins soumis à un prélèvement de solidarité au taux de 7,5%. Cette exonération ne s'applique pas en revanche aux personnes affiliées en dehors de l'espace européen. Donc, si vous êtes aux États-Unis, eh ben vous paierez les prélèvements sociaux. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à La Marco Immobilier et like la vidéo. À bientôt.